Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une technique ancestrale et universelle pratiquée par nos pères et nos grands-pères avec le poisson d'étain. Elle est aussi très pratiquée aux États-Unis pour la pêche sur glace. Et bien depuis peu, cette technique connaît un regain de popularité avec le développement de la verticale et des pêches hivernales, notamment en lac de barrage. La pêche à la dandine est une technique de pêche parmi les plus connues et simples à réaliser. Elle permet de faire de belles parties quand les perches sont de sortie. Quelle que soit la saison, elle s'avère fort utile. Un montage simple, une animation qui l'est tout autant, elle permet d'énerver les perches efficacement. Elle consiste à animer une hache à la verticale et de façon répétitive, que ce soit un leurre, un poisson mort ou un ver. Une tirée sèche pour décoller le leurre ou le vif, puis un mou dans la ligne pour qu'il retombe. Pour ensuite recommencer et avoir une animation tirée-relâchée, tirée-relâchée. Pratiquée mécaniquement, la dandine peut sembler ennuyeuse et sans finesse, mais en réalité, quand on a compris la technique, on prend beaucoup plus de poissons, mais surtout on s'amuse. C'est une technique qui reste incontournable. Nous allons tout d'abord nous intéresser au montage. Pour le montage, rien de plus simple. Directement sur le corps de ligne de couleur neutre, glisser une balle nickelée d'une dizaine de grammes, puis une perle ou un tube en caoutchouc de couleur et votre hameçon, et c'est fini. Un simple numéro 6 ou 8 fait l'affaire. Fixez le bas de ligne qui mesure environ 10 cm à l'aide d'une boucle. Vous pouvez mettre un flotteur coulissant librement sur la bannière pour les postes éloignés et dandiner à distance après avoir lancé. Le flotteur vous permettra alors de réaliser plus facilement une dandine verticale. Prenez-le avec un embout laiton sur l'orifice supérieur. Il protégera le fil lors de l'animation. Pour la pêche à la dandine, les montages se sont fortement affinés depuis quelques années. N'oubliez pas que les leurres souples, tout comme certains leurres particuliers comme les lames vibrantes, sont tout à fait adaptés à des pêches à la dandine, mais ils nécessiteront un autre type de montage. Vous pouvez au gré de vos envies remplacer la perle par un leurre souple, mettre un triple à la place du simple, écher plusieurs vers de terre. Vous pouvez également choisir un plomb palette pour une technique à part entière qui marche très bien sur le cendre durant les périodes hivernales. Libre à vous également de diversifier les éches, les meilleurs étant bien entendu les petits vifs ainsi que les vers. Une bonne trentaine pour une matinée de pêche n'est pas de trop, notamment si vous en échez plusieurs en même temps. Le jigging wrap est un leurre unique dans sa catégorie que Rapala avait créé pour la pêche sur glace pour sa nage. Sur une tirée sèche, la pression de l'eau sur cette bavette propulse le leurre vers l'avant, puis il décrit un arc de cercle en revenant se placer à la verticale. En donnant un rythme au tiré, on peut le faire complètement virevolter au-dessus des carnassiers qui s'énervent alors très vite et vous provoquera une attaque. Les belles prises ne sont pas à négliger sur cette technique. Nous connaissons tout l'attrait des perches pour le ver comme le cendre durant l'hiver. Il convient d'utiliser des vers d'andro ou canadiens qui seront plus charnus. À l'image de la pêche en mer, il convient d'utiliser une aiguille à locher afin d'avoir une présentation optimale, en sortant la pointe ou en la rentrant pour limiter les accros potentiels. Cela est très connu dans la pêche au toc. Les résultats seront très surprenants sur des eaux froides, des grosses bourriches ne sont pas rares. Poisson mort est une arme redoutable sur les carnassiers en hiver. Cela est plus simple de s'en procurer durant l'année pour les périodes hivernales. Vous pouvez demander dans les magasins de pêche leur poisson mort au lieu qu'ils les jettent. C'est une hache qui est très utilisée pour la pêche au mort posé du cendre, créée par Drakovic pour le mort manié, comme sur les gros brochets qui en seront très friands. Ne négligez surtout pas cette approche, elle pourra se révéler être un vrai plus quand les carnassiers ont la bouche clouée sur les différentes approches précédentes. Concernant le matériel, tout dépend si vous opérez depuis le bord ou non. Dans ce cas, une canne de 5 mètres type bolognaise peut s'avérer utile mais également assez lourde. Vous pouvez tout à fait utiliser une canne plus courte, mais gardez à l'esprit que le sillon doit être souple pour ne pas étriquer la nage de l'ensemble. Ainsi, une canne tirette, voire même pour streamer en soie de 9 dixièmes, fait très bien l'affaire. Un moulinet taille 1000 allant jusqu'à 2500 comme on l'utilise pour le lancer léger convient parfaitement. Avec du 20 centièmes, vous êtes paré. C'est vrai que du bord, avec des ensembles plus légers, vous allez vous fermer quelques portes au niveau des distances de lancer. Et comme nous le verrons après, avec un bon choix des postes, vous pouvez très bien vous en sortir avec une canne courte. En barque, vous pouvez opter pour un ensemble casting, une tresse fine et un bas de ligne neutre d'1m50 en 20-24 centièmes seront suffisants avec un frein doux.
barque ou depuis le bord. Dans le premier cas, laissez-vous porter par le courant. Cela vous permet de vous faire une carte mentale du fond et bien entendu d'accéder à des postes inattaquables autrement. En automne, les zones de nénuphars mortes sont très bonnes. Elles sont généralement sur les rives où il y a peu de courant, ce qui est une bonne chose pour peigner convenablement un poste. Les racines sont tout aussi bonnes parfois, mais elles accueillent généralement des petits sujets. Ce sont surtout les éboulis, arbres morts et surtout les embouchures de tributaires qu'il faut travailler. Pour ce dernier d'ailleurs, gardez un contact constant pour ne pas bloquer le plomb dans les blocs rocheux. Quant aux piles de pont, vu les nombreux arbres morts qu'elles accueillent sur leur face amont, c'est un paradis à perche, mais un cimetière à montage. Place alors au montage gambe, l'astuce est de s'ancrer en amont pour jouer avec la longueur de corde afin d'attaquer la pile au plus près des obstacles. Le conseil est de viser les postes marqués. Sur un poste depuis le bord, comme votre montage est réalisé directement sur votre corde ligne, il vous est possible de passer votre canne dans les branches pour l'attaquer en plein cœur. Vous pouvez ainsi l'atteindre en remontant le montage jusqu'au sillon. Pas d'accro, ce qui n'est pas possible avec une agrafe à cœur le montage. C'est l'avantage d'attaquer depuis le bord. Avec une barque, on doit l'immobiliser et c'est rapidement une besogne. Ainsi, depuis le bord, choisissez vos postes en fonction. Les quais en ville sont parfaits pour cela, par exemple. Les perches y sont régulièrement, les profondeurs correctes et les bateaux amarrés sont des postes de choix. Visez surtout le faible espace entre le bateau amarré et le quai lui-même. Les carnassiers s'y sentent vulnérables. En ce qui concerne l'animation, elle est simplissime. L'action de pêche à la dandine consiste à laisser couler le leurre jusqu'au fond. Il s'agit de relevés de canne suivi de descentes lignes tendues. Vous pouvez agrémenter le tout de tremblements sur place, d'arrêt pendant la chute, d'accélération et à la moindre touche, attendez une demi-seconde et ferrez. Si le poisson prend sur le fond ou à la remontée, le ferrage est quasi automatique puisque l'on est en phase de traction. À la descente, le ferrage sera nécessaire. Comme en power fishing sur les bordures, si on n'enregistrait aucune touche, on se déplace et on essaie un peu plus loin sur un autre poste. L'efficacité de cette technique est due au fait qu'elle joue sur la curiosité et l'agressivité du poisson. On retrouve ce phénomène d'agacement du poisson dans beaucoup d'autres techniques, mais plus particulièrement de la dandine, du fait des mouvements vifs et désordonnés du leurre, car ils attirent l'attention des carnassiers et parfois de loin, car tout ce qui bouge vite et de petite taille est souvent une proie. Car le mouvement vertical déclenche facilement le réflexe d'attaque des carnassiers, en particulier sur la pêche et le sand, car c'est un mouvement de fuite. C'est une technique qui permet d'insister sur un poche jusqu'à ce que le carnassier s'énerve et tape dans le leurre ou le vif par colère. Les carnassiers les plus intéressés sont la perche, le sand, et il arrive de prendre du brochet et du silure avec cette technique. Le plus important est qu'il faut que les poissons se tiennent à proximité du fond, car c'est le plus simple et le plus efficace. C'est une technique qui s'adapte très bien à la pêche de profondeur. Ainsi, la dandine fait partie de ces techniques anciennes qui méritent d'être remises au goût du jour. Simple à réaliser et à pratiquer, elle permet de cibler la perche, une espèce grégaire comme le sandre, pour qui cette technique a été faite. No Limit French Fishing vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, les gars.